Ah là 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 les frissons Je viens de me le remater oui, oui oui, je viens de me le remater moi aussi Dragon Ball Z Butoka et 4 Qui l'aurait imaginé Putain Bordel personnellement, je n'y crois pas Par où commencer Par où commencer Parce que là franchement, on s'attendait à tout sauf à ça. Euh, vraiment, on s'attendait tous à avoir un, à un nouveau Dragon Ball Xenoverse 3, un, un nouveau jeu tout simplement, mais qui l'aurait cru qui l'aurait cru, une suite de Dragon Ball Z Butoka et 3 Mon jeu préféré, le jeu qui a bercé mon enfance. Et tout d'abord, je tiens à passer une petite dédicace à tous ces potos hein, qui sont venus chez moi. Je suis venu chez eux, que ce soit mes potes euh, d'enfance ou encore mon cousin. Voilà, toutes ces heures qu'on a passées ensemble sur, ce fameux, sur cette fameuse saga. Les frérots, si vous passez par là, vous le savez tout autant que moi et comme tous ceux qui ont joué à Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi à l'époque, personne ne s'attendait à ce qu'il y ait une suite. 16 ans après à peu près, je crois, si je dis pas de conneries, la dernière fois qu'un Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi est sorti, c'était en 2007. Comme quoi Parfois, il faut pas perdre espoir. Par contre, il faut que je vous dise comment j'ai appris la nouvelle parce que j'étais totalement pas prêt. Déjà, premièrement, j'étais pas au courant qu'il y avait un event par rapport à Dragon Ball et tout ça. Bon bref, on sait que souvent il y a des nouveautés, euh, mais euh, je suis pas le premier à regarder ça. Je me dis, vas-y, ça fait 15 ans on attend un nouveau jeu, c'est pas là qu'il va y avoir euh, une annonce quoi, tu vois, surtout qu'il y a eu aucun leak, il y a rien eu du tout, et ça c'est ça qui est fou, c'est ça qu'il faut se dire quand même, il n'y a eu aucun leak, zéro c'est un truc de fou et en fait ce qu'il faut savoir c'est que j'étais tranquillement enfin tranquillement oui et non hein, parce que je partais euh, dormir mais genre vénère parce que j'ai cru j'allais péter quelque chose parce que j'étais sur Valorant et vous savez euh, que Valorant bien évidemment euh, quand ça va pas t'as envie de tout casser et c'était un peu le cas mais ce que je fais euh, bien évidemment avant d'aller dormir comme je pense 90% des gens ici c'est tu vas sur ton téléphone euh, tu euh, scroll les réseaux et j'étais tranquillement en train de scroller sur Twitter tu vois quand soudain je tombe sur ce Twitch je me mais les gars, j'ai parlé 5 langues d'affilée. Le teaser est envoyé et ça, ça fait plaisir parce que voilà, on sait à quel jeu DBZ on aura affaire dans les prochaines années. Voilà, on n'a pas non plus énormément d'informations, mais je pense que c'est déjà assez pour euh, déjà aller chercher 2-3 petites choses et puis s'imaginer euh, ce qu'il pourrait y avoir sur le jeu. D'ailleurs, le jeu euh, sortira, je pense, bien évidemment au vu des graphismes. Hein, je pense que vous avez pu le remarquer et je pense que la plupart d'entre vous vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il sera développé sur euh, nouvelle génération. Euh, voilà, PlayStation 5, Xbox Series X, euh, PC et euh, Nintendo Switch. Bon, en ce qui concerne la Switch, c'est plus une supposition, hein, étant donné qu'ils ont sorti des BZK carottes il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, je ne vois pas pourquoi ils ne sortiraient pas euh, Buto Katenkashi 4 NK4 sur Nintendo Switch. La vraie question, c'est est-ce qu'il sortira sur PS4 et Xbox One Je pense que oui. Voilà, euh, en sachant que bah déjà encore une fois, on voit que c'est quand même encore assez compliqué de se trouver une PlayStation 5, et euh, il y a encore énormément de joueurs sur PlayStation 4, et c'est pas tout le monde qui a les moyens de s'acheter une nouvelle console. Et étant donné que il y a quand même encore énormément de joueurs sur PS4 et Xbox One. Vous voyez où je veux en venir Ça fait quand même un peu plus d'argent également. À noter également que c'est le premier jeu Dragon Ball qui sortira sur nouvelle génération. Hein, on a eu euh, Fighter Z qui est sorti en 2017, donc voilà, il n'y a pas eu de version PS5. Il y a eu euh, Xenoverse 2 qui est sorti en 2016, pas de version PS5. DBZ Kakarot, à l'exception de DBZ Kakarot, bien évidemment, qui a eu sa version PS5, mais il n'a pas été développé directement pour PlayStation 5 et Xbox Series X. Donc ça fait plaisir quand même de savoir que voilà on va avoir enfin un jeu qui va être directement développé sur nouvelle génération puisqu'étant donné que le dernier jeu de la saga DBZ qui est Dragon Ball The Breaker je sais même pas si je dois le compter dans les <laughs> jeux DBZ personnellement moi je le compte pas du tout après ça c'est mon avis le vôtre j'en ai rien à péter <laughs> non je rigole je rigole mais Dragon Ball The Breaker je le compte vraiment pas personnellement euh, dans les nouveaux jeux DBZ et en plus de ça quand il est sorti il est sorti directement sur PS4 et je ne crois pas qu'il y ait une version PS5 et ça c'est complètement con étant donné qu'il est sorti cette année ou l'année dernière je sais plus. Bref, mais vous avez compris. Au niveau des graphismes, bon, attention, ça reste un teaser. Donc, est-ce que ça fait partie du gameplay quand on voit Goku qui se transforme en euh, Sayajin Blue Est-ce que c'est une animation du gameplay Ou est-ce que c'est euh, tout simplement juste une cinématique moi personnellement j'ai envie de vous dire que ça fait partie aussi du gameplay, que c'est une animation, puisque quand vous regardez euh, Goku qui se transforme en Saiyajin Blue, quand on fait tac l'arrêt sur image à ce moment précis, on peut voir la caméra s'éloigner et comme si que le gameplay allait reprendre. Je pense, après peut-être que je me trompe, n'hésitez pas à en débattre de ça dans les commentaires. Mais euh, je pense qu'on peut avoir du coup un petit aperçu de ce que ça pourrait donner. Alors... Personnellement, je ne suis pas non plus euh, le genre de joueur qui va être là uniquement pour les graphismes. Bien évidemment, ça, bien évidemment, pardon, ça fait toujours plaisir euh, aux yeux euh, de voir de beaux graphismes. Et surtout euh, quand c'est euh, beaucoup plus proche de l'anime que euh, version plastifiée à la xenover, je sais que ça a été pas mal critiqué, ça. Mais voilà, je pense que ça pourrait faire partie du gameplay. Et si c'est ça, personnellement... Euh, je trouve ça plutôt beau euh, à voir. N'hésitez pas à dire euh, ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Est-ce qu'il y a une date de sortie qui a fuité Alors, pour l'instant, aucune information euh, sur la date de sortie. Bien évidemment, je pense qu'on aura des nouvelles d'ici une semaine ou deux. Euh, voilà, au niveau de la date de sortie. Mais ce qu'on peut s'imaginer, c'est au minimum, pas avant euh, fin 2023, début 2024 au minimum, au minimum. Hein. Attention, puisque voilà, après je ne suis pas développeur non plus. À voir, ça c'est mon avis. Dites-moi vous le vote dans les commentaires. Même si je pense que la plupart d'entre vous diront peut-être 2024, ce qui semble peut-être plus logique, mais pourquoi pas fin 2023, ça serait plutôt sympa, ça serait une bonne nouvelle pour la fin de l'année. Pour les plus jeunes d'entre vous, qu'est-ce que c'est, Dragon Ball Z, Butokai Tenkashi Les gars, c'est le meilleur jeu DBZ de tous les temps. Bon bah, on s'arrête là. Non, plus sérieusement, voilà Dragon Ball Z Butokai Tenkashi est surtout connu pour ces euh, modes de jeu et la variété qu'il pouvait y avoir. C'est-à-dire que pour l'époque, c'était déjà énorme. Il y avait le mode aventure, donc, qui respectait bien évidemment l'histoire de Dragon Ball, Dragon Ball Z et Dragon Ball GT. Parce que oui, ça allait de Dragon Ball à Dragon Ball GT. On avait des persos de Dragon Ball à Dragon Ball GT. Tout ça sans DLC. Et ça, c'était incroyable. Il y avait également euh, le Tenkashi Budokai. Les gars, les gars, c'est ça, c'est un truc tout con mais j'ai pas compris pourquoi ils ne l'ont pas repris sur les derniers jeux des BZ. Pourquoi ne pas remettre un Tenkashi Budokai en ligne Je crois que sur Dragon Ball Raging Blast 2 si j'ai pas de bêtises, on pouvait avoir un sorte de tournoi en ligne comme ça euh, et ça c'était plutôt incroyable mais je ne crois pas qu'ils l'aient repris sur les Xenoverse par exemple. Il euh, y avait un Tenkashi Budokai sur Xenoverse 1, j'avais rien compris, c'était vraiment à chier, je m'attendais beaucoup à, à beaucoup mieux tout simplement mais ce n'est pas arrivé. Il y avait également les combats euh, locaux, voilà, c'est là où t'invitais tes potes chez toi où ils t'invitent chez eux et là ça se lavait. Mettez sur des BZ et ça c'était incroyable. Mais Ball Z plutôt qu'à cachés, on l'a apprécié pourquoi Pour son gameplay déjà de base. Parce que tu prenais un Goku dans ton équipe, tu prenais un Vegeta, et ben en game frérot, tu pouvais les faire fusionner directement. Il n'y avait pas 50 000 personnages, ouais je prends Vegeta, je prends Vegeta. Non, tu les prends tous les deux dans ton équipe, tu les fais fusionner. Point bas Et c'est pareil, tu également des transformations comme les Ozaru. Frérot, tu pouvais te transformer en gorille géant en plein game. Ça, c'était insane, c'était trop bien. Et dites-vous que c'est un jeu qui date de 2007 quand même. On n'a pas eu ça depuis longtemps. Et j'espère, de tout cœur, qu'ils vont quand même reprendre ces bases-là. Mais ça, on en reviendra après. Donc comme je vous l'ai dit, euh, c'est connu pour pas mal de choses, mais également pour le nombre de personnages. Plus de 160 personnages disponibles sur les Tenka Budokai. Ça allait quand même de Dragon Ball à Dragon Ball GT, comme je vous ai dit. Il y avait des, des persos comme Goku Petit, qu'on n'a toujours pas sur Xenoverse. On n'a pas eu Dark Dragon Ball sur Xenoverse. Bref, ça me saoule, <laughs> ça m'énerve. Mais voilà, vous avez compris, c'est un truc de fou. On avait des Chichi petites. on pouvait se battre avec Tortue Géniale. Pouvait... Bref, il y avait tellement de persos rares. Que je trouve ça incroyable qu'à l'heure d'aujourd'hui, euh, les nouveaux jeux des BZ n'ont pas été capables de nous faire revivre ce genre de choses. Donc voilà, là la question c'est euh, étant donné qu'il y a énormément de possibilités à l'heure d'aujourd'hui, c'est est-ce qu'ils vont garder le même système qu'à l'époque ce que personnellement moi j'espère, parce que voilà, euh, comme j'ai dit, DBZ de Butokate Kashi, c'est connu pour tout ce que je vous ai cité avant, que ce soit le nombre de personnages, que ce soit le gameplay euh, plutôt simplifié avec, euh, voilà, tu, tu veux fusionner, bam, tu fusionnes les persos, etc., en pleine game, vraiment j'espère qu'ils vont garder ce côté-là et qu'ils vont pas complètement changer le système. Après, s'ils changent complètement le système, mais qu'ils gardent certaines bases, pourquoi pas mais ne pas trop changer, s'il vous plaît. Parce que voilà, il y a des petites craintes quand même. Voilà, des BZ plutôt Buto 4 3 c'est mon jeu des BZ préféré. J'ai pas envie qu'ils fassent n'importe quoi sur la suite. Et je pense que c'est plutôt normal. Et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui seront plus ou moins d'accord avec moi par rapport à ça. Mais voilà, pour le moment, on a encore aucune information là-dessus. C'est juste des suppositions, c'est des questions que je me pose. Et euh, j'espère sincèrement euh, qu'ils vont pas faire n'importe quoi. Mais personnellement, j'ai envie de leur faire confiance. Venez, on leur fait confiance. On verra bien. On laisse le temps. On voit avec les informations qui vont venir au fur et à mesure des semaines. Et on voit si. Euh, bah, tout simplement, euh, on a eu raison de leur faire confiance ou non. Donc quelles sont mes attentes par rapport euh, à Xenoverse euh, Waouh <laughs> Non, non, <laughs> c'est pas maintenant. Donc quelles sont mes attentes par rapport à ce fameux Butokaden Kashika Donc je vais pas toutes les dire, hein, bien évidemment. Je pense que je ferai plus une vidéo euh, centrée par rapport à mes attentes. Euh, N'hésitez pas à me le dire si ça vous intéresserait que je fasse ça en commentaire ou même en likant cette vidéo, bien évidemment. Euh, mais les plus grosses attentes, on va dire que déjà, euh, au niveau de l'aventure, euh, s'il vous plaît, reprenez de Dragon Ball à Dragon Ball Super en incluant Dragon Ball Super maintenant. Et... Euh, en ayant en bonus pourquoi pas Dragon Ball GT, c'est même pas pourquoi pas, c'est mettez Dragon Ball GT. Donc ce qui ferait qu'on ait euh, tous les persos déjà disponibles de Dragon Ball Z Butokai Tenkashi 3 en plus de ceux de Dragon Ball Super dans Butokai Tenkashi 4. On peut voir déjà que Goku se transforme en jean Blue, hein, c'est déjà une information que des persos de Dragon Ball Super seront disponibles sur ce fameux Butokai Tenkashi 4. Maintenant comme j'ai dit, s'il vous plaît, ne profitez pas trop des DLC euh, Pour euh, nous rajouter 50 milliards de personnages avec 50 000 DLC Comme un certain jeu qui est Xenoverse 2 Hein, quoi Allo <laughs> Non mais voilà, faut se dire les choses à un moment donné, c'est chiant euh, Bref, on va pas non plus euh, sur 7 ans acheter euh, que des DLC même s'il y en a qui le font. Les gars, pour notre plus grand bonheur, un mode online, bien évidemment, imaginez un nouveau DB game sur un nouveau jeu DBZ, et en plus, ce jeu DBZ qui est fait partie de la meilleure saga de l'histoire, tout simplement, donc ça serait incroyable de nous mettre euh, voilà, un bon mode online bien travaillé pour pouvoir aussi euh, jouer contre vous, ça serait sympa, ou encore euh, pouvoir jouer entre potes, tout simplement. Bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo, euh, j'espère que ça vous aura plu, voilà, en termes d'informations, les gars, euh, ne vous inquiétez était pas, dès qu'il y aura des nouveautés euh, Je n'hésiterai pas à faire une nouvelle vidéo Pour vous tenir au courant et surtout Pour vous donner mon avis, hein. c'est surtout pour ça Que je suis là aussi, très compliqué quand même De ne pas s'enflammer, dans le sens où comme je vous ai Dit, Rumble's Abyss 2K euh, C'est mon jeu des BZ préféré Donc euh, voilà, j'ai hâte, vraiment hâte D'en savoir plus, les gars avant de terminer cette euh, Vidéo, j'avais une petite proposition à vous faire Et un petit instant pub du coup En même temps <laughs> euh, Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de connaître Rumble's Abyss 2K 3, je vous propose euh, tout simplement euh, que je fasse des streams dessus et pour ceux bah, qui ont la chance hein, de, de jouer à ce jeu ça vous remémorera tout simplement euh, certains gros souvenirs donc euh, n'hésitez pas à me le faire savoir et à me suivre sur Twitch dans ce cas je vous ferai pourquoi pas des streams sur ces anciennes opus et euh, je pense qu'on va pouvoir se régaler tous ensemble tout simplement j'espère que cette vidéo vous aura plu euh, moi personnellement je suis Vraiment, vraiment hype. J'attends euh, des news avec impatience. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la fois prochaine. Ciao, ciao.